Ça vous dirait de faire une petite partie de Dead or Alive Beach Volleyball avec nous deux? C'est le numéro 2, hein, on vous l'a pas dit. Allez, vous voulez qu'on continue? Deux, t'es arrivé deuxième. Ouais, j'étais deuxième, mais j'étais pas en super forme. Ouais, et pourtant, il y a des belles formes dans ce jeu-là. Et oui, Dead or Alive Extreme Beach 2. Ce jeu, c'est le mâle. Bah, c'est plutôt la femelle, moi, je dirais. C'est plutôt la femelle, en tout cas, c'est le mâle, mais je suis bien dans ma peau comme ça. C'est un vrai jeu... Ah, mais c'est vrai qu'on se sent bien. Mais c'est un vrai jeu de pervers, alors... À la base, Dead or Alive, c'est des jeux de bagarre entre des filles et des garçons, d'ailleurs. Ouais. C'est vrai que les filles ont... Comme ça, avec beaucoup d'attrait auprès des joueurs, puisque elles ont des formes bien arrondies. Et on joue à ce jeu pas par hasard, tout simplement parce que vous vous parlez un peu technique de jeux vidéo. On veut vous parler du breast bouncing, qui est une technique de modélisation de la poitrine. Hein, c'est important ça. Oui. On joue pas à ce jeu par hasard comme deux vieux pervers déguisés en maillot de bain, quoi. Attends, c'est super dur, quoi, je vais te dire. C'est super dur. Alors, c'est un jeu. Ah, je suis tombée dans l'eau. Je suis toute mouillée. Ouais, et alors, ce qui est génial, c'est qu'à travers ce jeu, on peut parler justement de la modélisation des nichons dans le jeu vidéo. Voilà, exactement, puisqu'ils ont créé un peu ce procédé avec ce jeu de combat à la base, Dead or Alive. Tout à fait, et ça a commencé dans les jeux de baston. DOA est un jeu de baston à la base. C'était pour, disons, plus impliquer, plus rapprocher le joueur, pas forcément la joueuse, et les personnages féminins avec lesquels ils pouvaient faire des petites parties de combat. Alors, pour la petite anecdote, on donne son âge quand on joue à Dead or Alive, il demande ton âge, et plus tu es adulte, plus ils mettent des gros nénés aux filles. Tu as quel âge as-tu? J'ai 150 ans. 150 ans, B. Et dans 150 ans, t'as des gros nichons. C'est vachement bien. Dans 150 ans... Dans 150 ans, il y aura des gants de toilette, quoi. Ouais, plutôt. Alors, le King of Fighters, c'était le premier jeu à utiliser un petit peu le nichon qui rebondit, jusqu'à cette version de Dead or Alive, qui utilise, grâce à la puissance de la Xbox 360, une gestion séparée du sein droite et du sein gauche. C'est-à-dire que le sein droite est commandé par un programme Gameology. Qui ne commande pas le sein gauche. Gameology. Alors je ne sais pas si c'est exact, mais c'est ce que j'ai entendu dire. Ouais. C'est ce que j'ai lu. C'est possible. Alors on retrouve tous les caractères féminins de Dead or Alive. Moi j'ai pris Kasumi. Pas mal. Qui n'est pas fait sans forcément très soumise. Non, pas vraiment, mais elles sont dociles hein, de toute façon. Et bah, y a Lisa, il y a Itomi. Ouais. Voilà, non, mais les gens sont attachés à ces personnages. Alors, est-ce qu'on a les vraies règles du volleyball? Bon, plus ou moins, c'est un jeu prétexte à être un gros pervers, à prendre en photo des filles toutes nues, à les mettre en maillot de bain. On peut acheter des petits maillots de bain, on peut aller à la boutique comme ça. Oh là, c'est ce qu'on appelle un service canon, ce qu'on a vu. Hein. C'est service canon, comme dans Jeanne et Serge. Et c'est complètement dingue, parce que finalement, le premier Dead or Alive Extreme Volley était un jeu de volley,
Mais c'est plus le cas, le volet est vraiment annexe, la plupart du temps, les filles peuvent juste traîner autour de la piscine. C'est comme cette émission, c'est un grand prétexte, c'est ça? C'est un petit prétexte. C'est un peu le prétexte à jouer au volleyball. Il nous en faut jamais beaucoup. Hein. Parce que ma tante Josette, elle m'avait offert sur la NES le premier jeu de volleyball qui était sorti sur NES et qui s'appelait, figurez-vous, volleyball. Étonnant. Étonnant, il coûtait 500 balles, j'avais eu à mon anniversaire, il était sympa. Voilà. Alors, on peut faire plein d'activités de filles dans ce jeu, mais pas les vraies activités, genre elle s'épile pas le maillot par exemple. Ah, c'est dommage. Et moi je trouve ça vraiment dommage parce qu'un petit jeu d'épilation, tu aurais demandé comme ça du doigté à notre petit. Avec des bandes comme ça, ouais. Alors là, je vais choisir ma chambre d'hôtel. Choisissons une petite chambre sympa, plutôt ambiance Club Med. Bah ça me va. Comme ça, si on trouve un copain, bah, on pourra l'emmener ambiance, dans une case. Ambiance hutte, une case, ouais, voilà, un Scrabble. Et je me demandais, dans le jeu de volleyball juste avant, on peut faire la fameuse manchette, on peut la faire. Mais est-ce qu'on peut faire la manchette espagnole? Hein, une bonne manchette espagnole, c'est possible ou pas? Je sais pas ce que c'est. Je sais pas, je demande. Monsieur, je ne sais pas ce que c'est. Mais t'en connais des trucs, bah, tu m'apprendras. Oh, attends, j'ai chaud. Je crois que j'ai boire un jus. Oh, vas-y, t'en fous pas partout, je suis obligé de te lécher. Qu'est-ce qui nous arrive? Dead or Alive, c'est non seulement un jeu bah, qui permet de jouer au casino. Mais oui. Donc ça donnait à des jeux d'argent, c'est la luxure. C'est n'importe quoi. En fait, on est dans une espèce de ce qu'on appelle un resort. Hein. Puis si vous connaissez par exemple Wii Sport Resort, c'est-à-dire un espèce de complexe de vacances où on va pouvoir comme ça bah, traîner avec les copines, lier des amitiés selon le personnage qu'on choisit. Bah, je fais juste un petit blackjack rapidos. Ouais. Et alors, avec l'argent que tu amasses, tu peux débloquer des objets. Est-ce que tu as des objets un peu insolites? Eh bien, j'ai acheté une Xbox. J'ai acheté une Xbox 360. Ouais. Voilà, c'est un jeu OVNI. Alors moi, je l'ai personnellement, il vient de ma collection personnelle. Ouais. Parce que je trouvais que c'était marrant, ce truc. Et puis finalement, c'est insupportable. C'est-à-dire qu'on se fait chier comme un rat mort cette galère. Je connais, ouais, ouais. Bon, bah les filles, une fois que tu les as vues, de toute façon, elles sont pas toutes nues. Mais j'ai cru comprendre qu'on pouvait récupérer des codes sur Internet pour aller voir toutes nues. Et ça, c'est toi qui me l'as dit aussi. Et ça, ouais, alors pas dans cette version-là. Je crois que c'est dans le premier. Et le premier, enfin, c'est sur Xbox. C'est la version Xbox. Et tu peux retéler. Alors, il était en téléchargement, c'était pas un jeu officiel. Et c'était la version dans laquelle tu avais les seins nus, t'avais pas de culotte. Bah, enlève ta culotte, c'est moi qui pilote. Et bah, c'était le cas dans le jeu. Et t'avais donc les couleurs de cheveux qui correspondaient au. Enfin, il y avait la moquette assortie au rhino, quoi. Hein, non. C'est ça. Voilà, ouais. Voilà le cœur du jeu. Et c'est vraiment ce que je vais vous montrer avant qu'on se quitte. C'est qu'on peut juste se reposer un peu. Bah ben, là, on se repose un peu. Voilà. C'est bien. Et ce qui est bien, c'est que les femmes, là, eh ben, elles se taisent. Et ce qui permet de se reposer. Voilà. On embrasse nos femmes. On pense à elles très fort. Petite expérience. Petite expérience avant de finir. Eh oui, voilà. Puisque maintenant, dans Gameology, nous avons un rendez-vous expérience. Ouais. Eh ben aujourd'hui... Moi, je te laisse finir. Est-ce qu'on peut avoir des sensations extrêmes en jouant à DOA Beach Volley? Je vais vous dire ça. Pauvre con, là. T'es pas un copain. Non, je suis pas un copain. Moi, j'arrête l'extrême volley, allez. Dead or Alive, c'est la licence qui a suscité quelques vocations chez des développeurs qui ont eu des idées pas si bêtes. Oui, des petits développeurs indépendants qui vous présentent aujourd'hui le fleuron de leur collection avec par exemple Dead or Alive Extreme Bikini. Oula, à mon avis, les parties sont serrées-serrées. Hein. C'est collé-serré. Hein. Alors on a aussi Dead or Alive Extreme Bikini, Borat Edition. Celui-là, il est bien. Il est très bien. Ça gratte un petit peu. Ouais, mais je crois qu'il est sorti qu'en Asie celui-là. Hein. Ça gratte un petit peu. Et puis, puisque tu parles des contrées lointaines, Dead or Alive, Extrême Amazonie. Alors celui-là, il est vachement bien. C'est quoi? C'est une manette? C'est un fil de manette? C'est la Wii. C'est une Wii qui est là dans le menton. C'est cool. C'est une Wiimote. Et pour finir, eh ben, un petit hommage à toute notre communauté Facebook. C'est une communauté, hein. Bah oui, c'est des copains. C'est un club, non, c'est un club de gentlemen. Vous nous avez envoyé quelques photos sympas, et notamment, c'est la grande mode sur Internet de ce type de photos. Regardez, voilà. C'est des photos de nus avec des photos avec des manettes pour cacher les parties intimes. On note la Visual Memory Card de la Dreamcast. Voilà, la grande vanne qui a été faite par vous tous derrière ça, c'était où est-ce qu'on va brancher toutes les manettes.
Très bonne vanne. Et on finit avec ce personnage fort sympathique. Voilà. On est fan. On est fan. Vous nous avez demandé de faire ce même genre de photo. Oh, c'est, pas notre genre. C'est pas le genre de la maison. Mais c'est pas notre délire. Non, pas du tout. Non. Donc voilà, on dit pas souvent non, mais c'est lourd. Non, exhibologie, pas pour nous. Non, on vous salue et à une prochaine séance de gameologie. Bye bye.